It's here, the time we've all been waiting for. News are right here on Spectrum Television. Good evening and welcome to another week. Now let's take a dive into what has been happening across the national territory. 6,329 billion TFF for France is the budget in income and expenditure allocated to the nation for the year 2023. Officially launched in Yaoundé by the finance minister, this money will be used in the reconstruction of crisis hit region, promote mining projects, and also made in Cameroon. These newscasts will fill you all in this story. Well, in sports, we talk, the kickoff whistle has been blown at the Miloud Hadefe Stadium in Oran as the Intermediate Lions of Cameroon face off Congo-Brazzaville in day one of the African Nations Championship. The boys of Alum Seydou, who are in their fifth participation, have no room for error. Once more, I welcome you all to the APM Bilingua newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening, Oriane. Bonsoir, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, le ministre des Finances a officiellement lancé ce jour ici à Douala le budget 2023 du Cameroun, équilibré en recettes et en dépenses à plus de 6 329 milliards de francs CFA. Cette enveloppe va servir entre autres à la mise en œuvre des projets miniers, la promotion du Made in Cameroun et la reconstruction des régions en crise. Plus de précisions avec vous, Inès Pangan et Nono Fouti. C'est à Douala que le ministre des Finances lance officiellement le budget 2023 de la République du Cameroun. Équilibré en recettes et en dépenses à plus de 6 329 milliards de francs CFA, il sera mis en œuvre dans un contexte d'inflation généralisée sur le plan national et même international. Il convient d'indiquer que sa mise en œuvre va s'effectuer dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la persistance sur l'économie des effets négatifs de la crise russo-ukrainienne. À titre de rappel, ce conflit a provoqué un choc économique mondial qui a touché tous les pays importateurs de produits de base en général, et le Cameroun en particulier, au moment où il disposait des marges budgétaires restreintes pour y faire face. L'envolée des prix du pétrole et des denrées alimentaires a accentué les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. En 2023, priorité sera donnée à la reconstruction des régions en proie à la crise sécuritaire. Un compte d'affectation spéciale y est créé. Et il sera financé à hauteur de près de 15 milliards de francs CFA. Ce processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et poursuivre la reconstruction des régions du nord, l'ouest, le sud-ouest et de l'extrême nord. La situation sécuritaire étant relativement sous contrôle sur l'étendue du pays. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé comme autre objectif de densifier la mise en œuvre de la décentralisation afin de donner aux collectivités territoriales décentralisées les moyens d'apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie. Il est aussi prévu l'introduction d'une annexe spécifique portant sur les risques budgétaires et la révision du cadre juridique relatif à la mobilisation de certaines recettes de services. Comme annoncé par le chef de l'État le 31 décembre dernier, il faudra également booster les projets miniers. Après Garoua, en 2022, la dite cérémonie se tient ce 16 janvier 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le budget du Cameroun est donc évalué à près de 6 329 milliards de francs CFA. Celui-ci est en hausse de plus de 260 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2022. Les raisons de cette augmentation dans cette intervention du directeur du budget, Cyril Edou Allo, s'exprime au micro de Nono Foutu. Le budget est un compte de contexte. Je vous souviens qu'en 2020, lorsque il y avait le coronavirus, nous avons baissé le budget de près de 500 milliards. Donc, en fonction du contexte qu'on a un budget, s'il est en baisse, c'est que les circonstances exigent qu'il soit en baisse. S'il est en hausse, c'est que les circonstances exigent qu'il soit en hausse. Il y a eu des mesures nouvelles inscrites en loi de finances qui permettent d'entrevoir les hausses de ressources. Il y a également des contraintes en termes de dépenses.
qu'il faut assumer, que le gouvernement doit assumer. Et lorsqu'on fait le rapport entre les deux, on obtient le chiffre que vous avez. Ce n'est pas un chiffre avancé au hasard, il résulte des analyses qui ont été faites, des analyses très pointues des préoccupations du gouvernement en matière de dépenses et de recettes. C'est ça qui donne ce topo que vous avez dont vous parlez. Il y a beaucoup de spécificités. Il y a des mesures nouvelles fiscalo-douanières qui visent non seulement à soutenir l'activité économique. Nous avons par exemple le soutien, des mesures de soutien au secteur agricole et de la pêche. Et nous avons aussi des mesures de soutien pour la transformation de la matière locale pour permettre l'impôt substitution. En dépenses, nous avons aussi des dépenses qui sont inscrites pour soutenir ce secteur de l'impôt substitution. Donc voilà, pour ne citer que ces aspects-là, il y en a d'autres. Nous avons les ressources de la décentralisation qui ont encore augmenté de près de 12%. Nous avons également les mesures instruites par le chef de l'État pour dans le secteur de l'éducation, les enseignants du secondaire. Il faut continuer à intégrer ces mesures en 2023. 183 billion CFA francs is the budget allocated to the center region, according to the governor of this area, Nasiri Paul Bia. Well, all stakeholders of this region have to come together and bring up realizable projects while applying hard work and discipline in expenditure. Well, let's listen to him in this excerpt. It's a privilege to have over 1.183 billion francs for projects in the region. And we want to call on all the stakeholders to be able to work hard for the projects to be realized. Because our region is a vast one with 10 divisions. And we need discipline, we need hard work. And we need moreover the councils who have the majority of this budget to be able to come up with realizable projects and realize them on time. And finally, we want everybody to be disciplined in terms of collecting and in terms of expenditure. Thank you very much. Well, we'll move over, remain in the littoral region where militants of the Social Democratic Front have sought to renew the structures governing the party and share difficulties encountered in the year 2022. Well, the assembly saw the attendance of four coordinators of the CAM, Wuri, South Mungo and Senegal Maritime, respectively. Well, Josephine Binti tells us more in this report. The National Executive Committee of the Social Democratic Front have over the weekend convened a meeting to discuss and resolve the internal concerns of the party. We came here to talk to the commission and about the internal problems. I am very pleased that everyone concerned is here. We have seen our elites, as well as all the NEC members. We have to renew our structures to put in place new executives for the party structure at every level, whether at the regional or the national level. À chaque niveau, que ce soit au niveau de l'arrondissement, du département ou de la région. The militants had the opportunity to channel concerns pertinent to the Lacadessian group of the party, as well as structures affecting the SDF. Car les militants viennent aujourd'hui briguer en poste, améliorer leurs conditions. Militants come to better their living standards at the party's expense. Resolutions have been published. Structures must be harmonious or move coordinatedly to foster the evolution of the structure and the renovation that follows of the party. That was the message. Le renouvellement qui devrait suivre. Voilà les messages forts. The assembly saw the attendance of four coordinators from the NCAM, Wuri, South Mungo and the Senaga Maritime.
This has also been one of the massive attendance for militants, which will see the new organs to restructure the party for the year 2023. Le maire de la ville de Douala rappelle au maire des communes d'arrondissement de Douala que la ville existe avant les mairies. C'est ce 14 janvier 2023, lors de la rencontre des élus municipaux de Douala organisée par la commune urbaine de la dite ville, Inès Pangan et Jules Epo. Avant tout échange, les préalables doivent être compris de tous ceux qui assistent à la rencontre des élus municipaux de Douala. Les arrondissements sont des communes d'arrondissement de Douala, comme l'arrondissement de la ville de Douala, ce n'est pas l'inverse. Quand la ville agit, elle n'a pas besoin d'abord de demander une sorte d'autorisation à un maire de commune d'arrondissement. Non. Par contre, dans le cadre de la concertation que nous avons instaurée, nous en discutons. Uniquement deux maires sur les six que compte la ville de Douala ont répondu présents à ce rendez-vous organisé par la communauté urbaine de Douala. Il s'agit des responsables des communes d'arrondissement de Douala 2e et 6e. Une sous-participation des élus locaux qui n'empêche pas le maire de la ville de Douala de revenir sur un incident qui a marqué l'année 2022. L'adjoint d'un maire de Douala avait brisé les scellés posés par la communauté urbaine de Douala. Il n'appartient pas à un individu, futur maire adjoint, de se lever et de venir se faire justice. Mais qu'on ne peut pas se faire justice. On ne peut pas se faire justice. De toute manière, il paiera les sabots qu'il a cassés. Je peux le lui assurer, j'ai déjà porté plainte à la gendarmerie, on l'a provoqué là-bas, il ne s'en sortira pas. Aussitôt dit, retour au problème qui mine la cité, entre autres le désordre urbain et l'incivisme des automobilistes. Il y a trop de camions à Douala. Ils stationnent partout. Vous allez dans mon quartier là-bas à Mbodi, quartier de Douala. Les graves de sont, les chaussées sont défoncées. Vous allez n'importe où à Dubaï, c'est la même chose. Nous avons pour cela confié par affirmage la mission de suivre le reportage à une société. C'est ce 14 janvier 2023 que les assises se font. Contrôle, surveillance, répression sur les axes routiers. La gendarmerie nationale veille au grand. Ce week-end, sur la nationale numéro 3, les Pandores ont sensibilisé les usagers indélicats. Objectif, limiter les accidents en cette année 2023. Olivier Bouzique. Axe Yaoundé-Boumnibel-Douala, le renforcement de la prévention routière porte des fruits qui rassurent. Le constat qui se dégage est que les usagers commencent à comprendre les messages de sensibilisation. On n'entend plus parler d'accidents de la circulation routière comme à une certaine époque. Malheureusement, l'incivisme routier continue. Nous avons sur la route ici, les infractions que nous enregistrons le plus sont les excès de vitesse. Pourtant, les panneaux sont là pour indiquer. Les chevauchements de lignes continuent parce que les gens sont pressés. Pourtant, ce n'est pas absolument nécessaire. Et beaucoup de passagers roulent encore malheureusement sans port de ceinture de sécurité. Pour ces usagers indélicats, tolérance zéro. Les moindres écarts de comportement sur la route sont sanctionnés selon la loi. À chaque fois que les usagers arrivent, on les demande d'abord de prendre connaissance. Parce que beaucoup ignorent et croient qu'ils sont interdits. 35 infractions sont ici répertoriées. Les amendes vont de 3 600 à 25 000 francs CFA. Vous êtes un secteur est bien et belle là, mais c'est périmé. C'est pour cela qu'on vous a intervenu ici. Mais maître, nous on n'utilise jamais ce secteur. On était étonnés de savoir qu'on n'a pas les secteurs en forme. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à lieu de faire. Je vais regarder. Bon, l'amende forfaitaire, c'est 25 000. Ouais. Bon, vous pouvez voir sous les prix qui sont affichés dehors. C'est 25 000 compte reçu. Les instructions de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale sont de maintenir à un niveau bas le niveau d'accident sur de la circulation. Il s'agit essentiellement de sensibiliser et en cas de besoin de réprimer. Un conducteur averti, c'est plusieurs vies sauvées sur la route.
The mortar remains of an elderly man identified by the judicial police as Omboa Tabi Rene was discovered in the early hours of this morning at Rome Point behind a Meno. Well, this car, the car's driver recounts the ordeal of the sad event in the following report as prepared by Josephine Binzi. Shock and consternation has gripped passers-by and the driver of a clandestine transport vehicle today, 16th January 2023, following the unfortunate passing of a passenger. I stopped where I usually drop my clients. Everyone went down, with the exception of an elderly man. When I saw him, I thought he was sleeping and tried in vain to wake him from sleep. His son, upon arrival, is inconsolable. According to the driver, he boarded his vehicle at Bile Village in the Douala 3 municipality. I kept insisting. That's when I called the attention of another man to help me with the situation. He came to see if he could help, but he advised that I should call the attention of the judicial police. Omboa Tabi Rene was born on the 7th of March 1955 and discovered dead after arriving his destination, according to eyewitnesses. The initial report and analysis of the shocking event were established by the commissioner of the 4th District after the corpse was deposited at the Lakentini Hospital. En santé, parlons de l'autisme. C'est un trouble de neurodéveloppement. Les signes peuvent être perceptibles avant l'âge de 3 ans. La prise en charge inclut plusieurs traitements. Il est important de démystifier ce trouble, comme nous pouvons le constater dans cet élément produit par Inès Pangan et Nono Fouti. Cette toile et ces dessins sont l'accomplissement d'un parcours de combattant d'une famille. Ce périple familial débute entre la France et la Suisse alors que leur fils unique, Uriel, n'a que 18 mois. On avait l'habitude de jouer quand je le changeais, picabou, des choses comme ça. Je fais ça, il ne répond pas comme avant. On s'assoit pour manger, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Donc il a le regard perdu, c'est comme s'il n'est plus avec nous. Donc il y a tous ces petits signes-là et puis il a commencé à perdre certains mots. Donc je me suis inquiétée, j'en ai fait part à mon époux. Et puis nous avons décidé de consulter quelqu'un, un pédiatre, qu'on nous a recommandé. Sur les conseils du pédiatre, Alex Njok et son époux décident d'inscrire leur fils dans une crèche. 3 mois après, les maîtresses de ce centre attirent l'attention des parents sur le comportement inhabituel de leur enfant. L'une des choses, par exemple, c'est que mon fils, il n'avait pas peur du danger. Donc, il pouvait grimper haut et puis sauter. Donc, s'il n'y avait pas des maîtresses qui étaient là pour le rattraper, il allait sauter dans le vide et se faire mal. La deuxième chose, il mangeait du sable. Je pense que ça peut arriver chez les petits-enfants de temps en temps. Même ma petite fille, je la vois dehors jouer parfois, elle met n'importe quoi dans la bouche. Mais lui, il mangeait vraiment comme si c'était la nourriture, il mangeait du sable. Et l'autre chose aussi, c'est même quand il tombait, il ne ressentait pas la douleur. Il pouvait se faire mal. On voit que le pied est vraiment tout rouge. Il ne crie pas. Même pas un seul mot. Un retour est donc fait chez le pédiatre qui leur recommande de consulter un neuropédiatre qui fait passer une série de tests à l'enfant et pose le diagnostic. Et le panel de tests qu'il a fait. Et il nous a dit, il pense vraiment que notre fils, il est sous le spectre de l'autisme. Donc, c'était un choc, c'était un choc. Je pense surtout pour mon mari, mais c'était quand même un choc pour moi. C'était pas autant, c'était pas aussi violent parce que j'avais fait des recherches avant.
c'était pas aussi violent. J'avais déjà lu sur l'autisme. Je me disais que c'était ça. Mais quand on vous l'annonce, c'est toujours différent. La pathologie connue commence le véritable combat. Il faut choisir entre une institution spécialisée à des frais d'inscription exorbitants et un autre centre adapté pour Uriel, mais ayant une longue liste d'attente. J'ai eu mes beaux-parents qui sont venus nous rendre visite et je crois que c'est un coup de tête parce qu'on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas la solution. On a envoyé notre fils au Cameroun. C'était pas une décision facile pour une maman, mais je pense qu'on avait besoin de ça pour essayer de voir plus clair, essayer de trouver des solutions. Le passage d'un an au Cameroun porte des fruits et est marqué par une prise en charge dans un centre spécialisé au quartier Bonamoussadi à Douala. On a rencontré une équipe qui a pris mon fils en charge. Donc il allait là-bas, il était suivi avec d'autres enfants. C'était une école neurotypique, donc ça veut dire qu'il y a des enfants normaux dans les classes. Mais la directrice avait permis à cette équipe d'avoir une classe derrière où ils pouvaient entretenir, former, prendre soin des enfants sous le spectre de l'autisme. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Donc en plus de ça aussi, on avait ces spécialistes-là qui venaient aussi à la maison pour mon fils. Donc moi je dis, je pense que c'est une très bonne chose qu'il vienne au Cameroun. Parce que mon fils l'avait perdu plusieurs mots, il parlait anglais. Quand il est rentré au Cameroun, il a appris le français. Il a appris, alors qu'il perdait des mots, quelqu'un a appris une autre langue. Mon fils, il était propre à 2 ans. Il allait, il ne portait plus de couches, 2 ans. Alors qu'il y a des enfants autistes qui ont 17 ans, qui portent toujours des couches. La suite, ce sera 3 ans aux États-Unis. C'était 3 ans intenses. Parce qu'il recevait à peu près 20 heures. De ABA, donc il y a quelqu'un qui vient chez moi et qui reste pendant 20 heures chaque semaine, même le dimanche. Ça peut être, on choisissait des jours, mais c'était au moins 20 heures. Je crois que les séances duraient à peu près 2 heures, mais on faisait 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Non, on faisait parfois un peu plus, il faut qu'on ait 20 heures par semaine. Oui, mais c'était à peu près 20 heures par semaine. En plus de ça, on voyait, comme j'ai dit, l'orthophoniste 2 fois par semaine. On voyait la motricité, chacun avec la motricité fine, la motricité grosse, là, 1 fois par semaine. Après ça, qu'est-ce qu'on faisait encore? Il allait à l'école. On lui a permis d'aller à l'école pour socialiser un peu. Il allait à l'école au départ de 8h à midi, ou bien de 9h à midi. Aujourd'hui, Uriel passe en classe 6, équivalent du cours moyen 2 dans le sous-système francophone. Il s'exprime correctement en français et en anglais. Il a écrit un livre, Travail l'argile. Des réalisations qui n'auraient jamais été accomplies si sa famille s'était laissée gagner par le découragement. En fait, le diagnostic, c'est juste le début. C'est vraiment pas la fin. Beaucoup de choses peuvent changer. C'est pas toujours évident. Et puis, il faut s'entourer. Il faut poser des questions. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut pas rester renfermé. Et puis, il faut pas croire, comme on est en Afrique, aux différentes pensées que c'est la sorcellerie, on a fait quelque chose. Non, il y a des handicaps, il y a des maladies qui peuvent s'expliquer et on peut améliorer la vie de quelqu'un, la façon de vivre de quelqu'un. Donc je pense qu'il ne faudrait pas jeter les dés très tôt, il faut faire des efforts. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Le souhait de sa maman aujourd'hui, c'est voir le gouvernement et les entreprises assister les familles qui ont un membre sur le spectre de l'autisme.
In sports, it's 25 minutes past 8 p.m. and the score remains virgin at the Oran Olympic Stadium between the Intermediate Lions and the Red Devils of Congo. The boys of Alum Sedu are leading in possession 59 over 41 to their counterparts with over 113 passes and 76% pass accuracy. The Intermediate Lions of Cameroon have so far had one shot that has been on target, with the Red Devils having four known on target. Well, it is an intense game back there with five fouls committed by Congo Brazzaville and known for the boys of Alum Sedu. Well, there is all time for these nations that are participating in this tournament for local players. Cameroon is in her fifth participation, with her highest reach being the fourth place back at home in 2020. And prior to this game, the coach, Alum Sedu, had reiterated how important it was to move past the group stage, stating there is no room for error. The game is still on and both teams have all the time, with the last team they will be meeting in Group E being Niger. Well, like I said, the game is still on and there is a chance for both teams to book a place to the second phase of the tournament. It's on this note that we call it good night right here on the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Oyando Geng. Bonne soirée, Oni Ladonette, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Television.